tu disais que dans un film de 250 plans, on peut dire qu'il y a 250 films. Mais alors, que devient l'idée de raccord? Les raccords, justement, c'est la manière comment on gère les passages d'un film à l'autre. Appelons-le un film, donc là, un plan indépendant, un autre plan indépendant. Et moi, je me suis. Bon, je commençais à travailler un système de travail qu'il faut dire, hein, soyons clairs, je n'ai jamais été en mesure de mener à fond toutes mes travaux. Toutes mes idées théoriques, qui sont des poétiques. Poétique, ça veut dire recette de cuisine, donc c'est une méthode, c'est pas une philosophie. Mais jamais pu travailler complètement ça. Bon, cela dit, je m'imagine, je dis comme ça, m'imagine, j'ai compté en tout cas six fonctions qui servent à lier un ordre, on donne un ordre à tous ces plans, à tous ces films indépendants. Et puis on les lit par des fonctions. Ils se lisent pareil. On va aller vite. Donc je vois, il y a la fonction qu'on peut appeler directement, c'est la linéarité, c'est-à-dire la fonction centrifuge. Un plan, appelé plan A, mène au plan B, au plan, etc., jusqu'à N. Et la fonction centripète, c'est-à-dire que chaque plan cherche à garder son indépendance. Ce n'est pas seulement le cas du plan séquence, il y a d'autres plans, même c'est plus flagrant dans des plans qui demandent un passage d'un plan à l'autre, par exemple les champs contre champs, mais on peut travailler d'une certaine manière les champs contre champs de manière que chaque plan, en jouant avec les faux raccords justement, chaque plan garde son indépendance parce que ça grince quand on passe d'un plan à l'autre. Mais aussi dans les plans séquences, c'est évident qu'un plan est un film séparé. Mais il y a une fonction difficile à réveiller, que j'appelle on peut appeler la fonction combinatoire. C'est-à-dire, les plans pourraient se lier d'une telle manière qu'ils provoqueraient dans celui qui regarde, peut-être pas la première fois, mais la deuxième. Et une espèce de, intuitivement, de les mélanger d'une manière différente à laquelle ils sont montrés. Pas par des rappels, par des attractions, par des faux raccords, par des décadrages. Ça, je l'ai assez travaillé, je l'ai noté, je les pratique, mais avec la petite caméra et les dimanches. Et puis, il y a une autre fonction que je pourrais appeler, je l'appelais critique, mais c'est pas bon. Récursif, c'est trop pédant, trop savant. C'est une fonction, tu commences un plan, et en le finissant, à la fin du plan, on se demande, mais est-ce qu'on a bien vu? Dans les âmes fortes, il y a un moment où il y a un mouvement de caméra, où il y a. Les personnages, donc les personnages centraux du film, et qui a 80 et quelques dans le film, donc qui est joué par Monique Mélina. Et puis il y a un mouvement de travelling, il y a un déplacement de plusieurs travelling, les personnages sont sur des travelling, et dans un passage, on découvre cette fois-ci Laetitia Casta maquillée en vieille dame de 80 et quelques, et après on coupe tout de suite après. Juste pour que les gens disent, mais il y a quelque chose qui s'est passé, est-ce qu'on pourrait revoir ça? Alors ça, c'est calculé pour que pas pour qu'on les revoie, mais pour qu'on les revoie, justement, on les revoie pas, et ça crée une espèce de doute qui travaille cette fonction cette envie d'aller en arrière. De rewind, comme au Voilà. magnétoscope. Oui. Voilà. Et puis, il y a une fonction j'appelle holistique, si on veut, c'est-à-dire. Il y a des plans dans un film, mais on pourrait étendre cette fonction où on a l'impression d'avoir vu tous les films. C'est la fonction qui, en littérature, Proust prouve constamment ça. Trois pages de Proust, on a lu tous les livres. Ce n'est pas un résumé du livre. C'est simplement par la procédé même on va dire, mise en scène,
qu'on a l'impression d'avoir tout vu. C'est un procédé de condensation? C'est un type de condensation, on peut appeler ça. Sauf que comme c'est un mot un peu usé en psychanalyse, on peut appeler ça, mais il y a un autre type de condensation, si on veut, que c'est encore un procédé, et que le, j'appelle, bon, allégorique, on peut appeler ça allégorique, c'est-à-dire là, un plan devient et la, presque la publicité de la totalité des films, c'est presque, c'est le symbole de la totalité des films. Il y a toujours dans les films ça. Et c'est les plans que les gens qui doivent faire l'affiche cherchent. Les dessins, voilà. Là, tous les films, et ça, c'est. Cette affiche symbolise les films. C'est pas la même chose que holistique, c'est autre chose. C'est holistique, ça veut dire que ces plans ne symbolisent pas tous les films, mais dans la manière de fonctionner, on a l'impression d'avoir vu tous les films. Ce que j'aurais aimé de faire, au moins dans un film avant de mourir, c'est de réveiller tous ces fonctions, de les éveiller, et dans chaque plan. Je sais que ça donne un film mal filmé, pour quelqu'un qui ne les voit pas de la même manière que les premières tentatives de musique atonale donnaient l'impression de quelque chose qui est mal... Que, c'est des bruitages, pratiquement. C'est de quelqu'un qui fait n'importe quoi sur un piano. Je sais que ça va donner un peu cette impression. Mais si ça est lié à un travail de structure qui se sépare un peu de la structure narrative qu'on connaît, il n'y en a pas plus de trois, non? La classique, l'américaine, l'américaine, c'est-à-dire qu'on fait central, les plans inclinés à la française, ou comme on dit en critique américain, on dit c'est un critique américain où tous les personnages sont condamnés avant les génériques, et puis appelons-le le réalisme magique, c'est-à-dire un type de narration où on récupère toutes les fonctions rhétoriques avant Cervantes. Mais il n'y a pas beaucoup plus, comme si on parle de paradigme narratif. Alors là, ça, ce que j'aurais voulu faire un jour, et que je n'ai pas fait encore, c'est de travailler et, en sortant complètement de ces paradigmes et faire de chaque film une structure différente. Et quand tu parles de tes films du dimanche, qu'avant tu tournais en pellicule, que maintenant tu tournes en caméra numérique, tu dirais que tu fais des gammes comme un pianiste? Et il y a ça, mais parfois il y a des vrais essais de... Les films chiliens que j'ai fait en ce moment sont une dizaine de films d'une heure et demie, et ils sont travaillés dans une combinatoire très large, où pour le moment il y a des éléments plutôt musicaux, si tu veux. C'est-à-dire... je travaille des séries de plans et puis je les travaille deux films plus tard, les mêmes plans mais inversés. Je fais des inventions, des faits d'inversion, des jeux à miroir, et je mélange les sons d'une image avec une autre image, mais bon, il faut avoir la patience de voir tout. Hein. Pour le moment, il n'y a que moi qui ai vu tout, même pas Valéria, ma femme n'a pas vu le tout, mais je cherche à travailler de manière plus concrète. Et cette idée dont j'ai parlé, que je ne parle pas souvent parce qu'on me reproche que c'est de la physique. On dirait qu'on parle de la physique et pas du cinéma. Ce qui est un peu vrai. Parce que là, on parle de ces structures, d'atomes, de la physique, mais c'est aussi de la chimie. Mmh.